parler de tes tatouages. Combien tu as de tatouages déjà? Ah, j'en ai énormément. J'ai trois gros tatouages. Moi, je dois en avoir une vingtaine, je pense. Non, j'ai pas de tatouages, tout simplement parce que j'ai un peu peur des aiguilles, c'est tout. Et qu'est-ce qui signifie ce tatouage? Absolument rien. Voilà. Tout le monde me pose des questions, c'est une signification et tout. Non. Pour moi, c'est de la déco. Non, 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 moi, pas de tatouage, moi. J'ai tout mon dos, j'ai. Sur mes côtes, j'en ai, sur mes pecs, sur tout mon bras. Je suis très bien, J'ai la peau. J'ai la peau toute lisse. Peut-être pas, mais j'ai la peau toute propre, du moins, pas de tatouage, ça me va très bien. Je dessine, moi, tu sais. J'adore tout ce qui est en rapport avec l'art et je sais que mon art, il évolue. Et j'ai peur de me faire un tatouage qui me plaira plus dans 5-6 ans, tu sais. Là, il y a ma fille, là, avec la petite abeille, Maya. Et ensuite, mais je suis croyant, mais j'ai des tatouages qui rappellent cela. Sur mes poignets, j'ai ma mère et ma grand-mère, parce que moi, je pense que c'est très important de certainement de savoir où on va. Donc, mes tatouages sont plus reliés à ce que je vis ou à ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est une forme, pas oubliée, mais de les avoir tout le temps présents.